Il y avait le souvenir de l'oncle Dona avec ses aventures, et puis ça nous avait toujours fait rêver. Il s'agissait donc de le construire, un appareil qui devait révolutionner l'aviation populaire. Ça, c'était en 1935. Il m'a fallu tout un été pour essayer de mettre au point cette machine. Et je n'avais jamais piloté un poulet du ciel. Je mets donc plein gaz, décolle, passe à quelques centimètres des arbres qui bordent le terrain. Et elle a décidé d'aller sur Lausanne. Et puis, arrivée là, elle a dit, mais comment je vais prouver que j'ai survolé Lausanne? Et il a dit, ben, je vais traverser le lac. Alors, il a traversé le lac Léman. Quand on a commencé à se râper le nez sur des talus, là, on s'est souvenu de son planeur à bretelles. Jamais rien eu de mieux. Tu cours, tu sens que quelque chose est bizarre, et puis ça monte tout d'un coup. Et l'instant après, t'es à un mètre du sol. On ne comprenait pas tellement comment ça volait. On n'avait aucune notion du vol. On n'y connaissait rien. Il y a 2 ans environ, le miracle, il est toléré de faire de l'ULM avec l'électricité. Et tout d'un coup, on se disait, mais oui, mais on va faire comme lui. Voilà. Atterrissage, Château Ripaille. Tenant Château de Ripaille. Pas de moyeu. Le moyeu est là. Mm-hmm. C'est sur mon seul port. Elles sont belles, elles sont comme neuves. Avec ça, on va diminuer la puissance absorbée par l'hélice bois. On va peut-être retrouver 15 minutes d'autonomie de plus. Et on en a besoin pour faire cette traversée qu'on veut faire. C'est les 15 minutes qui font que sur le lac, tu vas avoir le sourire. Ou bien que tu seras lassé. Tu auras un terrible rictus parce qu'il te manque les 15 minutes, puis il faut mettre les palmes et le tuba. Exactement. Ça serait très désagréable. C'est un bel endroit. Ouais, ouais. La relation avec Laurent, elle est à la fois souple et puis intérieure. On ressent assez bien en profondeur ce que l'autre a dans l'estomac et peu de mots parfois sont nécessaires. Ok. Ouais. Plus de mots. Ouais.
je suppose qu'on est un petit peu sur les mêmes longueurs d'onde. Quand il lui arrive quelque chose, comme il arrive assez souvent des petits événements, des petites aventures, ouais, je suis touché, ouais. Ouais. Je gaffe les chutes de pierre. On va voir si j'ai compris. Il y a un bagage commun de voyages, de coups durs et d'aventures. Tu me prends ? Ouais, ok. Par exemple, un moment très fort, c'est l'expédition avec 2 4x4 et une poignée de delta et un treuil pour descendre la transsaharienne jusque dans le fin fond du Hoggar. 200 vols en aile delta au-dessus de l'océan de sable. Un hiver pas comme les autres, une expédition de haut vol qui ne manque pas de souffle. Même au Sahara, fut-on homme volant suisse, l'exploitation des hommes par l'homme est une réalité. Et c'est le départ du premier vol tracté au moyen du treuil d'Évidoire. Et puis après, on est reparti dans le Kurdistan turc. On a eu la chance de vivre toute l'apparition de toutes sortes de techniques et participer également à la mise au point. C'est sûr que ça portait un intérêt à continuer à voler, qui était évident. Ce qu'on n'a pas partagé, c'est les accidents. On a chacun des accidents différents. Mais on ne s'est jamais cassé un membre essentiel pour la poursuite de l'activité. Voilà. On nous a très bien soignés. On a pu réparer. Mon frère dit que j'étais tête brûlée. Aventureux, oui, enfin oui, mais... La tête n'a pas complètement cramé. Ça va. Par moments, il y a des démons qui te font dépasser certaines limites. Tu vas à un endroit où tu n'avais pas totalement prévu. Ça arrive. Il y a beaucoup de situations où tu te dis « Bordel, j'ai pris des risques, mais je m'en étais pas rendu compte. » Il y a une activité qui peut se faire dans le vol libre, des largages de montgolfières. Moi, je n'ai fait qu'un, c'est un moment monstrueux. Parce que tout s'était mal passé, enfin moi on s'est accroché dans des arbres et tout, et le largage pouvait vraiment se terminer très très mal. J'ai pleuré comme un gamin parce que j'ai cru que j'allais passer sur le dos. Et dès le moment où le delta passe sur le dos, le delta il explose. C'était un moment qui était terrible, ouais. Et le soulagement de l'aile qui a redressé après le largage était... Ouais.
Bon, alors voilà. Voilà la place du chemin. Bon, ça va être très étroit. Oui, il est sympa, bon, l'alignement, il est top. L'alignement est sympa. Là, c'est pas mal. Pas mal. Alors là, c'est pâturage des Clus dans le Jura. Là, si un peu on a l'impression que ça devrait être là que Donna a fait son envol. Mais là, au niveau des arbres, hein, on est relativement éloigné. C'est top là. Parfait. Dans les 15 jours qui viennent, il faut que ça se fasse. Les jours viennent courts. Dès qu'il y a une fenêtre météo optimale, zoom, faut pas hésiter. Faut réaliser. Voilà. Fais ce vol. Tu fais ce vol, mais on le transpose sur le plateau. Ah ouais, en simulation donc. Ouais. Ouais. On fait comme si on traversait, mais on traverse pas. Ouais. Tu vas tourner la cathédrale, la blécherette. La blécherette, ouais. Puis après, à la place traversée, tu rentres, mais en faisant comme si tu étais sur le lac. Ouais. Donne-moi ta position et ton altitude. Altitude 1000 mètres. Ampérage 61 ampères, 50. Voltage 50, température moteur 57. Il faut que tu consommes juste 20 ampères heure pour arriver à la 43e minute. Thierry m'a dit pour le vol commémoratif de Donna, avant de décoller, on va tirer à pile ou face. Puis moi, je lui ai dit, non, c'est quand même toi qui as fait le boulot, le job, la mise au point. Moi, je ferai le vol simulation. Mais la traversée du lac, c'est à Thierry que ça revient. Je vais faire un atterrissage sur le champ. Bravo! Magnifique! Oh. Joli! Combien d'ampères il te reste là? Ben, 19. Bon, il y a encore 44 volts, je vois. Ouais, 44 volts. Ben, tu pouvais encore tenir l'air, mais pas voler plus loin. Ouais. Pas voler plus loin. 19, c'est bon. C'est vrai que tu poses. Puis qu'il te reste 19 ampères, t'as plus rien. Donc si t'es pas bien, tu peux pas dire je remets les gaz, je refais non, une approche. Non. Fais un petit peu qu'au niveau autonomie, vous soyez sûr que vous traversez le lac, quoi. Ouais. Ouais, ok. Ça correspond exactement au vol. Ouais. Au-dessus, à l'arrivée, au moment de s'engager sur le lac, il faudra qu'il y ait 40% encore disponible. Ben, il faudra l'ampérage et l'altitude. Là, que t'as 19 ampères. 0, 19, 0 et tout. Là. T'as qu'une envie, c'est d'aller sortir le train, puis tu regardes, tu dis. Est-ce que ça va coincer ou est-ce qu'il y a un câble qui va se coincer? Puis je me retrouve là. Mais maintenant, vous êtes fait des ponce-bêtes avec sortir Thierry, le train. Thierry a fait un super boulot. Il y a un ponce-bête sur la barre. Ouais. Et le train y est. Train ouvert, point d'interrogation. C'est marqué partout. Tu regardes à gauche, marqué. Attention au terrain d'atterrissage. Attention au terrain d'atterrissage.
Attends, je te... Où que tu regardes... C'est toujours le terrain d'atterrissage qui compte. Ouais, t'as. Ouais. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Extra. Bonjour, monsieur. Ouais. On se réjouit de voir la zone où notre oncle, oui, Denain, voilà, s'est écrasé en 1938. Il s'est retrouvé ici, sur vos terres, à devoir, oui, poser dans le parc, oui, je pense, le parc que nous allons visiter après. Oui, oui. Voilà, c'est le vol qu'on désire refaire. À la différence qu'on espère ne pas s'écraser. Voilà. Oui, ben on va aller voir, on va maintenant, si vous voulez. Volontiers. Oui. Ce serait l'arrière-grand-père de Louis Necker qui aurait acheté le château. Donna a dit, des jeunes filles, des jeunes femmes ont secouru. Ça pourrait avoir été la maman de Louis Necker qui aurait secouru Donna. Énorme, ouais, extraordinaire. Avec la dandoche là-haut. Ah oui. Ça, c'est la dandoche? Oui. Bon, ben voilà. Alors, là, qu'est-ce que tu veux de mieux? Après, il y a l'herbe, hein. Peut-être garder un peu l'herbe. Ouais, ouais, faut pas que ça pousse, mais... Ouais, là, il y a presque 30, disons. Voilà, il y a aussi un champ un peu de... pas de sécurité, mais... Difficile de roulage. Par contre, au niveau approche, ça fait un dégagement qui est exceptionnel. Quoi. Voilà. Vraiment très, très bon. On espère ne pas toucher là-bas, mais ça convient tout à fait. Là, le vol, il va se faire en principe d'ici une semaine, si tout va bien. On va l'allumer en deux cierges. On va l'allumer. Des fois, ça marche. Pas toujours, on m'a dit, mais on va essayer. Eh ouais, sainte météo, priez pour nous. Avec axe fixation stabilo. Tout est là. Thierry, lui, va rester dormir à côté de l'aile dans son campeur. Et puis moi, je vais dormir dans mon fourgon au château de Ripaille. Et puis, ben, demain matin, moi, je suis à l'atterrissage. On a commencé il y a une année avec cette machine. Ouais, c'est une aventure passionnante, quoi. Puis une aventure émotionnante aussi. C'est du vol entre frères. Il n'y a pas beaucoup à rajouter, ça. Laurent, tu m'as laissé faire ce vol. Si je tombe malade cette nuit, c'est toi qui fais. Je vais te rechercher. Ah ouais, je peux venir. Ouais. Bon, allez. Sur ce, frangin. Ouais. Bonne nuit, bonne route. Contact. Tout le bon. Allez, j'espère que ça ira. Ça va être super. Je crois aussi.
parle des guignards. Bonjour. Un guignard, frère de Thierry. Une guignard, la maman. Oui, bien Thierry. Sûr. C'est tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hello. Ça va. C'est cool, ça y est là. Ciao, père. J'avais oublié quelque chose. Ah. Ouh là là. Wow, c'est l'hélice qui a fait le vol. Bleu l'objet. Ah, magnifique. Ouais, elle était brisée, là, elle était recollée. Ouais. Ah oui, c'est juste. C'est la vraie, quoi. C'est la vraie. Et puis, le casque de papa. Non. Alors, non. Ah ouais, ça c'est la relique. Ouais. Je peux le porter? Si tu veux le prendre, ouais, ouais, ouais. Ah, précieuse relique. Je me réjouis que ce soit fini. J'ai peur maintenant. Ouais, ça fait les frissons. Il va revenir. Thierry Zorro, tu reçois? Tu peux redonner la localisation, Thierry? Je suis à 1250 mètres, cap à 108 degrés. Vitesse sol 73, j'ai encore 71 ampères. 71 ampères, est-ce que tu trouves où, vertical, de haut? Alors, je suis sur B. T'es pas trop à l'est. Effectivement, je dois prendre un cap 10 degrés maintenant, plus à l'ouest. Ouais, ok, je vais quand même avertir le bateau de sauvetage qui était un petit peu plus à l'est, hein, parce qu'il t'attend à mort. J'attaque le lac, je vais monter à 1500. Je vais couper le moteur, partir en planer. Là, je profite du vol, c'est magnifique. Beaucoup de tension à vous. Il y a des barbules chez nous. On va se concentrer. Ça brasse pas mal, là. Alors, je suis à 1000 mètres, je suis sur le château. On va pas tarder à le voir, ça va aller relativement vite. We'll be right back.
Joli, frangin. Top, frère. On l'a fait. Magnifique. Ça a bien été. Oh. Alors ça c'est Château de Ripaille 2020, vin de Savoie Ripaille. En santé, merci infiniment. Santé. Santé madame. Santé Thierry. Bravo. Santé. 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 Non, c'est vraiment fantastique. Ouais, c'est génial. Ce vol, il ne faut absolument pas l'imaginer comme un exploit, mais comme une expérience. On a partagé beaucoup de choses avec Thierry, on a beaucoup de souvenirs en commun. Parfois, on sait très très bien qu'on a des divergences, mais il y a tellement de domaines où on sait qu'on est parfaitement complémentaires. C'est vrai que c'est une chance qui est pour moi merveilleuse. Je ne sais pas si l'axe passera plutôt sur Orme. Notre papa et Donna avaient la même, cette même relation et une complicité qui nous a toujours étonnés. Ils ont été un modèle de fraternité. Divers horizons successifs. Mais c'est peut-être un hasard. Bon, bonne fanelle, hein, ils sont. Partirait bien vol maintenant. Hein. Bon, on n'a pas d'elle avec nous.